Aujourd'hui, on va vous parler de notre nouveau shorts, le Sherpa. Alors ce produit, c'est un produit qu'on a développé avec notre communauté, avec pour objectif de pouvoir partir sur une sortie trail sans son camelback. Alors un short avec une ceinture mèche, c'est pas nouveau. Il y a déjà pas mal de produits sur le marché qui permettent d'embarquer de la nutrition, peut-être une flasque de 25 cl. Ce qui est nouveau en revanche avec ce produit, c'est qu'on a poussé le concept beaucoup plus loin, puisqu'on peut embarquer jusqu'à 1 litre d'eau. Alors il possède deux poches en mèche à la ceinture, dans lesquelles on peut glisser deux flasques de 500 ml, ou simplement de la nutrition, ou une veste imperméable par exemple. On a ajouté deux poches plaquées sur le cuissard qui permettent d'embarquer soit son portable, soit de la nutrition, et une petite poche zippée au niveau de la ceinture pour y glisser sa carte bleue ou ses clés et partir en toute sérénité sur sa sortie trail. Au final, on peut partir sur une sortie trail de 2-3 heures, voire même 4 heures, certains de nos testeurs l'ont fait, avec tout ce qu'il faut et tout ce qu'on a l'habitude d'embarquer dans son camelback, sauf que cette fois, on a juste un short avec soi. Alors pour réussir ce tour de force, le choix des matières était primordial. On allait voir Païen, qui est une société basée en Ardèche. C'est un tisseur qui fabrique des tissus en chaînette de rame extensible. Ces tissus possèdent la propriété d'être à la fois très léger, respirant, de sécher très rapidement. Au final, le cuissard, la ceinture, le short, composé un total de 130 grammes, ce qui est vraiment très peu pour un short de ce type. Alors ce short, on l'a co-construit avec notre communauté. L'idée, elle a germé en juin de l'année dernière. On a fait pas mal de dessins, on a beaucoup échangé sur les réseaux. Aujourd'hui, on l'a déjà fait tester à nos ambassadeurs et à une dizaine de testeurs. Ça nous a permis de vraiment l'améliorer continuellement sur le terrain. Donc le short qu'on va vous proposer, il est vraiment nickel. Alors les différents accessoires, cordons, biais, etc. sont tous faits en France. La confection, quant à elle, elle se fait dans l'Ain. Donc sur un produit qui est 100% fait en France et qui va préserver près de 285 emplois de la filière textile. Ça va aussi permettre d'avoir une empreinte carbone réduite de 60% par rapport à un produit qui viendrait d'Asie. Empreinte carbone qu'on va bien sûr totalement compenser. Au final, ce short, c'est un peu le produit de nos rêves, puisque c'est un short qui va être ultra technique et fonctionnel, n'utilisant que des matières nobles, tout ça sans compromis sur l'éthique et l'environnement.